Ici Yakipon pour Ivasan Studio et on est de retour sur Cadence au Firule. On va continuer l'aventure. Ouais, alors je suis au taquet. Je crois que j'en suis à mon quatrième café depuis ce matin. Je suis au taquet. Beaucoup joué à un autre jeu de rythme ce matin qui s'appelle Kingdom Hearts Melody of Memory. Donc, comme le titre du stream l'indique, la musique dans la peau, casse ça. Bon, bref, c'est parti, on continue là. Allez, go! Je suis au taquet. On faisait quoi? On était où? Toute cette région là, et toute cette région là. Et puis là-haut, on a pas tout fait. Bip boup. Ouais, on va aller voir là-bas si j'y suis... Ah, attends, peut-être par là? Je sais pas. Bon, écoute, de toute façon, il faut qu'on découvre la carte, parce que bon... Allez, c'est parti. Pouet, 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 pouet. Mais vilain! Y'a un truc là-haut. Ah mais y'a une bombe là posée. Allez go! On y va! Easy hein. Qu'est-ce qu'on a gagné? Un anneau de défense, bah c'est gratuit, moi je vais pas dire non. Je me suis trompé, pardon. Eh ben, on continue de monter. Ouais, on va faire ça, allez. Hein. De toute façon, faut bien que je trouve par où... Ok, salut. Faut bien que je trouve par où aller, à un moment donné. Mais... C'est bizarre, on dirait que là, la statue, il y a des trucs à faire. Bon, je sais pas. C'est on dirait que le monde est regorgé d'énigmes et que je ne les ai pas encore toutes trouvées, mais ouais. Ah. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? C'est le problème, je sais pas ce qu'il faut qu'il fasse le bonhomme. S'il faut que je tue? Ah bah oui, donner son rubis. Très bien. La carte. La carte, elle me dit que... Ouais, la carte. Bon, allez, go. Pipi. Ah. Il y a une maison. Peut-être qu'on va avoir des infos à l'intérieur de où on doit aller. Par la suite. Alors, ça déjà. Bon, allez, on va voir. Bonjour madame. Et bienvenue, lumière. Attends, parce que c'est une vieille. Comment on fait une vieille? Bienvenue, lumière du destin. Je vous attendais, désirez-vous que je vous prédise votre avenir pour dire Ruby? Non. Allez, au revoir. C'était la vieille. Hein. Allez, on bouge. Fais n'importe quoi.
pas l'air d'avoir grand chose. Punaise, je l'avais pas vu, je suis bête moi. Bon, apparemment, il n'y a pas grand chose à faire ici. Pourquoi je reviens ici, on l'a fini ici? Petits osios là. Mince, fallait peut-être pas bousiller ça. Fallait pas non plus bousiller ça. Oh, je fais n'importe quoi. Attends, mais il reste un monstre. Alors, on refait. Et j'ai tout pété. Parce que je suis un fifou. Attends, mais je peux pas m'attirer. Oh, mais non, mais c'est nul. Comment faire? Bon, déjà, ça. On peut le balancer là. Et comment je fais pour monter? Est-ce que je peux prendre ça et monter avec? Genre ta 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 ta. Genre je peux faire ça ou pas? Attends, s'il faut. Il faut qu'il soit. Voilà, sinon je vais le pousser. Et le jeu il est nul! Pourquoi le jeu il est nul? Ah! J'ai une idée. Bon, je suis tombé parce que je suis con, mais après c'est pas. Ben, on peut rien faire là. Apparemment, on peut rien faire. Et je peux prendre mon coffre ou pas? Oui, je peux. Très bien. Ouais, 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 ouais. Alors, le coffre là-haut. Ça, ça a l'air pétable, donc on le pète, voilà. Mince. Mince, je suis bête. Pof. Voilà mon coffre. Ok. Ah, apparemment... Ah, je le vois. Pas évident à voir celui-là, par contre. Hop. Apparemment, bourré, ça a l'air de fonctionner, hein. Oh, je vois un nouvel objet. Mince. Oh non. J'ai tout cassé le jeu. Tant pis, on recommence. Donc je disais... La canne de Somaria. Et que fait la canne de Somaria? Utilisez sa magie pour créer un bloc devant vous. Ok. Faisons des tests. Faisons des tests. Faisons des tests. J'ai créé un bloc, oui. Je peux le pousser très bien. Je
peux monter dessus très bien. Je peux le porter très bien. Ah mince! Je peux pas monter... C'est trop haut. Il me faut un petit pour monter sur la canne. Enfin, pour monter sur le bloc de la canne. Ok. Eh ben, on poursuit. Je sais pas par où. Parce que là, c'était bloqué. Non, il y a l'air d'avoir une entrée, là. Paf, paf. On va prendre le cœur, parce que depuis tout à l'heure, je suis un peu le fifou, là. Allez. Mince. Est-ce que je suis bête? La réponse est oui. Tiens, écrasé. Manque un ennemi. Oh non, il est là-haut. Ok. Donc on va dans la petite caverne. Hop, la petite grotte. Oh mince, j'avais pas vu qu'il était si fort. Il est mort. Oh, je vais avoir la baguette de glace. C'est trop bien. Ok. La baguette de glace. On n'a pas la baguette de feu d'ailleurs, parce que tout à l'heure... Non, on n'a pas encore la baguette de feu. Parce que tout à l'heure, j'aurais bien voulu... je sais pas, il y avait une espèce de réceptacle. J'aurais bien voulu mettre un coup de feu, là. Bon. Eh bien, avançons, hein. Ah, ok, c'est des eaux profondes. Génial. Oula, la montagne de la muerte. La mort, en espagnol. Il va pas falloir les palmes ou un truc du genre pour avancer. Parce que ça risque d'être un peu compliqué là, non? Y'a quoi là? Ah! Est-ce que tu maîtrises l'utilisation de ton bouclier avec R? Si oui, tu peux essayer ça! Technique du bouclier. Inutile de l'assigner à un bouton, Link et Cadence peuvent désormais attaquer tout en brandissant leur bouclier. Mais attention, cela demande de l'endurance. Zelda peut quant à elle maintenir l'amour de Nehru pendant plusieurs pulsations. Ah, c'est bien ça. Ça, j'avoue, c'est cool. Au revoir. Eh, ça me paraît Cadence. On a un truc pour sauter ou... Est-ce que... Parce que... Ah, ça fonctionne. Très bien. J'avais peur que ça ne fonctionne pas. Pourquoi je suis descendu? Là-dedans. Des faits, très bien. Mon dieu, j'ai fait n'importe quoi. Il y a un panneau. Vous voulez traverser, trouver l'interrupteur pour
Levez le pont, on l'a déplacé, les enfants de Cocorico. Ben merci les enfants. Je veux ça là, comment je fais? Ben j'ai trouvé. Bonjour. Qui veut du jus? Une dague d'obsidienne. On a toujours pas trouvé de nouvelle lance. On a la lance de base, mais elle est insufflée de l'obsidienne, je crois. Bon. J'ai trouvé l'interrupteur. Maintenant, il faut juste que j'y aille, quoi. Oui. On va prendre ça. Bon. Aïe. Mais je pensais qu'elle allait attaquer vu qu'elle a une case en plus. Quelle fille folle. Non! Bon, ça m'a énervé. Je sais pas. Regarde, on va même pas aller là. Eh bien, allons voir là-bas si j'y suis. Oula, ça a l'air d'être le bordel. C'est fait toucher par son pote. C'est trop drôle. J'aime quand le jeu est drôle. Bon bah allons voir hein. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans mais... Le temple des tempêtes. Très bien. Là, il y a un choix d'armes. Armure ou ignore la glace et on est lourd. Bon, on va être lourd. On va pas être lourd. Voilà. Genre, comment je fais pour les allumer, ces trucs? Je peux utiliser des bombes. Bon. Alors, apparemment, il y a un oiseau à quatre têtes et... Je sais pas. J'imagine qu'on peut aller que là. Donc on y va. Comment je l'ai cette clé ? Je sais pas à quoi sert. Je sais pas.
Tu m'énerves, sorcier. Bon, j'ai deux clés. Comprendre le fonctionnement de des genre je peux pas les décaler, faire un truc avec. Non, je peux pas sauter. Je comprends pas l'utilité de la plume en fait, genre vraiment. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais c'est pas grave. Non. Voilà, merci. Nous avons des flèches de foudre, la masse des titans. On va prendre la masse. Utilisez-la pour effectuer une puissante attaque devant vous et infliger 3 points de dégâts ou détruire certains objets. Allez, quand même! Un peu énervé ça. Ah, il y a des interrupteurs qui changent la façon de faire. On renvoie un coup. Bon, on n'a pas d'anneau, donc oui, on va le prendre. Donc on remonte là. Et cette fois-ci, on va là-bas. Les murs... Ouais. Je me suis dit quand même, il y a un mur avec un œil. Ouais, ouais, ouais. Ouf. Comment je fais? C'était quoi cette méduse volante là? Oh, il y a une lance. Alors, quelle est la différence entre les deux? À une portée de cage, j'inflige un point de dégâts, mince. Ou, ben, la lance de titane. Bon, je vais garder ma lance de titane, elle est très bien. Hein. Je fais le nouveau trait, c'est pas grave. Mais on va garder l'armure, c'est bien. Hein. On va explorer un peu parce qu'il me manque une torche. On va voir si je peux trouver une torche. Ah, notre super pote. Qui vend pas de torche. Ma petite torche. Et on part. Jolie petite histoire. Bon, on va arriver au boss là. Oula, c'est quoi cette trappe? Je comprends pas. Genre, il faut pas être dessus pour un.
Allez, elle s'ouvre au bout d'un moment. Quoi. Ouf! Myron Clay. Et on s'en va. Alors, j'ai ça. Oui, d'accord, c'était juste pour descendre, je suis bête, moi. Bon, allez, on se concentre. Et on va faire le boss. Go, 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 go. Qu'est-ce que c'est? C'est un xylophone? Ma parole, tu es plus efficace que tu en as l'air, mais cela n'a aucune importance. Tu n'arriveras jamais à vaincre Ganon. C'est toujours aussi drôle, le Ganon. D'ailleurs, seras-tu seulement capable de battre mon troisième virtuose? Mais je sais pas. Va falloir voir. Go. Que le pouvoir de la foudre électrifie les lames de mon Glockenspiel. Je comprends pas. C'est un xylophone qui s'appelle comme ça, le Glockenspiel? Spiel? Je sais pas. Ouf. Griokenspiel. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Ok, il est un peu dur. D'accord. Heureusement que j'avais une fée. Ouh là là. J'ai pas tout suivi au début. Mais j'ai vite compris par la suite parce que je suis quand même quelqu'un fort. Je suis de haute qualité. Pas du tout. Par contre, j'ai mal à la main là. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, j'ai des fourmis dans la main, je ne sais pas pourquoi. Donc je l'agite frénétiquement devant moi. Ah, comme si je me séchais les mains. Allez, go! Glockenspiel! Pidibi, 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 pidibi. Alors, vous avez obtenu le Glockenspiel, vous sentez une puissante force magique en émaner. Vous en aurez sans doute besoin pour affronter Octavo. Oui, sans doute. C'est pénible, cette phrase en vrai. Sans doute, peut-être que... le jeu va te dire oui, il va falloir utiliser les instruments magiques pour tuer les méchants. Mais que peut-être, hein, parce qu'on n'est pas sûr. Aïe, aïe, aïe. Ah, et tout le vent s'est arrêté? Et une arme. Gratuite. On va essayer de la choper quand même si c'est pas mon arme préférée. La, 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 tac, tac, tac. Alors, comment on va chercher ça? Pff, c'est facile. Pourquoi je pose la question? Voilà. Sauf que je ne la veux pas. Donc on se calme de suite, madame. Merci. J'ai mis une bombe. Ah, mais il y a une grotte, là. Merde. Pardon. Calmez-vous, les... Les statues là, hein, s'il vous plaît. Bah, ça va pousser mon caillou, hein, mon caillou.